J'ai l'impression que quand je l'ai fait tout à l'heure, la dernière bombe, il avait déjà plus beaucoup de vie. Donc à mon avis, je peux peut-être faire que 12... Que 12 R1. Comme d'hab, peut-être. On va essayer ça. C'est 13 R1 plus 2 R2 et 3 bombes. Bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai l'impression que la dernière bombe... il lui restait vraiment pas mal de vie. Je pense que 12 R1, il y a peut-être moyen que ce soit mieux. Ah mais si je fais 12 R1, il faut peut-être 3 R2 pour le stagger. Hein. Mais de toute façon, c'est pas 2 R2, c'est... C'est 3 R2, même avec 13. Je crois, hein. J'en ai fait 3 tout à l'heure. Hein. Je vais faire 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, P2. Parce que là il stagger là-dessus en fait. Ouais, il faut bien en faire 3. Hein. Ah mais du coup je fais une R2 de plus et moi je fais que 2 bombes. Ah ouais, donc je dois pas faire ce qu'il faut. Ouais, non, une 32 c'est complètement naze, donc je fais pas du tout ce qu'il faut, ouais. Bon, c'est pas important, hein, faudra que je m'entraîne dessus. Ouais. Mais je fais une R2 en plus, je pense, ouais. Ah, et tu le stagger avec la première bombe, ok, c'est ça. Merci pour l'info. C'est donc ça. J'ai enlevé mon stock par habitude. J'avais pas besoin de l'enlever. Alors là, du coup... 5. Bon, au début je vais être un peu lent sur les menus parce qu'il faut que je regarde mes post-it pour savoir ce que je dois acheter. Mais c'est pas grave. J'ai bien pris le fragment de titanite au début, ouais, je crois. Non, t'inquiète, pas de soucis. Hein, c'est juste moi qui croyais qu'il fallait que je le stagger avec une R2, mais en fait pas du tout. Bon là, ça va quand même plus ou moins être un run no reset. Hein. Sauf si vraiment il se passe des dingueries, mais... De toute façon, le but c'est toujours de faire un PB, vu que là mon PB il est très facilement battable. Je vais probablement pas reset. J'ai l'impression que mon perso il est super long, hein, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que mon perso il court au ralenti. C'est moi qui suis ravagé ou... C'est probablement moi qui suis ravagé, ouais. C'est peut-être parce que j'ai l'épée dans la main, peut-être que l'animation est différente du coup. Ça doit être pour ça, je pense. Ah mais non, c'est que je suis à... Non, c'est que je suis en... Ah voilà, c'est pour ça. C'est parce que j'étais en medium roll. Ah voilà, oh je me sens tellement plus fast maintenant. Ça fait pas courir plus vite, hein, mais... Oui, l'animation a l'air tellement plus rapide du coup. C'est sûrement parce qu'il a la vessie pleine, ouais, ça doit être ça. C'est probablement ça. Hop. J'ai rien oublié là. Hein. Non. Tu peux faire quel skip? Bah regarde les règles sur speedrun.com, c'est le plus simple si tu veux savoir.
Mais en gros, on a le droit de faire tout ce qui n'est pas un OOB, genre Irritil Skip, Elevator, Partake et compagnie, et tout ce qui n'est pas un abus d'escam aussi. Genre FKS, Wilhelmski. Mais le reste, on a droit. Donc on a le droit de faire des trucs genre Ladder Skip, Angel Skip, Fen Skip. Non, ça fait pas courir plus vite, non. C'est un truc qu'on a tendance à souvent croire au début, et c'est un truc que je croyais aussi, mais en fait, non. Ça fait absolument pas courir plus vite. Il y a probablement... Merde. Un meilleur moyen de le faire aussi, Vort. Mais on verra ça plus tard. En fait, quand t'es en fast roll, tu fais juste des roulades qui vont plus loin. Donc tu gagnes du temps sur les roulades, mais... La vitesse de course est exactement la même. Et la régénération d'endurance, c'est la même aussi. Que en medium roll. C'est vraiment que si t'es en fat roll à plus de 70% d'endurance que... Que ton endurance est bien ralentie. Mais sinon c'est pareil. Je vais quand même prendre le feu au cas où. On sait jamais. C'est les baskets qui clignotent qui font courir plus vite. Oh merde, j'ai pas vu venir mais. Hop, je vais me soigner un coup. Ok, je me souvenais plus quelle touche il fallait que j'appuie. du coup là, il faut que... J'aille chercher les cendres. Il faudra que je m'entraîne à faire le jump pour y aller plus rapidement, mais pour l'instant je sais pas le faire. Oh quoi, ça m'a vraiment touché ça. Non mais relève-toi quand tu veux, hein. Y'a pas de problème. Ok alors, tac tac. Allez, comme à l'entraînement, c'est imperdable. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir, c'est dommage. Oh. Oh. Ok, bon, c'était un peu galère, mais...
Ah, je suis censé griller coup de skip là, c'est vrai. Je crois que je l'ai réussi. Je viens juste de me rappeler qu'il faut que je fasse un Greatwood Skip après. Ok. Bon alors du coup là par contre... j'ai plus de potions. Faut que je traverse le pont. Ça va peut-être mal tourner hein. Ok. Est-ce qu'on peut faire des roulades pour éviter les dégâts de chute en normal roll? Il faut forcément être en fast roll. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc j'en ai aucune idée. Absolument aucune idée. Ah, c'est... oh merde, ça marche pas avec les stocks. Ok. Ah, je savais pas. Bon. Désolé, Sigward, c'est vraiment pas contre toi. Ça marche pas avec cette arme, ok. Oula, ouh, je lui. Ouais. Bah, je pense qu'on va se reposer au feu d'après, là. A priori. C'est bon à savoir, ouais. Au moins maintenant, je suis au courant. Là, on va tranquillement se reposer. On n'est pas pressé. Comme si le but d'un speedrun c'était d'aller vite quoi. Allez. Je regarde mes post-it. Est-ce que j'ai des trucs à faire? Oui, j'ai deux fragments à choper. Faut que je prenne le feu au milieu de la zone. Bouclier, plante, lame, anthracite. D'ailleurs, je peux dégager mon estoc maintenant. J'en ai plus besoin. Je leur laisse en cadeau. Allez, tiens. Je leur laisse une petite offrande. Oui, alors là, je vais spook pour descendre. Et il y a une strat pour ne pas spook, mais je sais pas faire pour l'instant. Alors, premier fragment ici. Deuxième fragment juste après. Je descends par là, je crois. Ouais. Ça c'est bon. Ensuite, le bouclier. Je me souviens que des fois il était chiant lui en limited skip. Je me faisais tuer des fois ici. Faudra que je fasse gaffe à ça. Les plantes. Ensuite les lames de mercenaires. Et l'anthracite pour pouvoir mettre la gemme de dextérité. Il est juste derrière moi. On va pas prendre de risque. Et retour liche-feu, hein, c'est bien ça. Pas du tout, c'était dernier feu. Je me suis donc planté. C'est bien la peine de l'avoir écrit sur le post-it. J'ai même pas regardé. Direction le marais. Ouais, ça va, oui. Je suis pas du tout descendu là où il fallait, je crois.
Bah alors? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe les amis là? Ça glisse un peu non? Je prends ça non? Je crois que je prends ça. Hein. Il est où mon post-it? Oui c'est ça. Ah oui alors là... Là il y a la strat avec le spook après là. Oh, j'aurais dû prendre le feu au début du marais. Hein. J'ai un peu déconné. Parce qu'il est très possible que je meure. Ok. Oh. Petit faceplant. On prend celui-là. Ah, je crois qu'il faut faire tout le tour. Hop. J'aurais dû me mettre en quoi? Comment on dit? Fast roll? Je dis pas ça d'habitude, non? Je sais pas. Oh, allez, je me repose. Ensuite, j'ai 3 fragments à choper. En light roll, oui, voilà, c'est ça que je dis d'habitude. Merci. Je me disais bien que c'était pas fast roll que je disais d'habitude. Qu'est-ce que... Ah, tu te fais vraiment bloquer par la limace qui est pas encore tombée. Ça, c'est rigolo, ça. Alors lui, Jean-Pierre, là-bas, il va peut-être m'emmerder. Oh, ça va, il est pas là, cette fois. J'ai pas eu peur. Je crois que je vais faire mon meilleur quit out là. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de quitter là. J'avais envie de quitter. Une petite envie comme ça, petite pulsion. Hop, allez. Cette fois, lit cheveux. Sur une inspiration, ouais. Donc alors là, je vends ça. Tac, tac. Je donne les cendres. J'achète 2 paquets de feu et je crois que c'est tout. Ouais. Ensuite. Hop. 2 potions. Les lames en plus 3. Hop, parfait. Et là, je passe à 23 de dextérité. J'aurais dû quitter pour la gardienne, mais c'est pas très grave. Et direction le sage, donc c'est ça. Alors, hop, ça c'est bon. Il me faut les paquets de feu. Et je crois que le compte est bon.
Oh là là, le gold, quelle surprise. On s'y attendait pas du tout. Normalement, si je fais pas de conneries, je devrais golder tous les splits, je pense. Mais bon, il y a bien un moment où je vais faire une connerie, c'est sûr. Sinon, ce serait pas rigolo. Là, je vais aller faire mon marché dans la neige. On peut cancel la P2, ouais. C'est plutôt pratique. Parce qu'on va pas se mentir, la P2 en speedrun, bon, c'est pas terrible quoi. Même s'il y a des moyens de savoir à l'avance. Tu sais, au début de la P2, t'as des cristaux qui apparaissent. Et en fonction de la position des cristaux, tu peux savoir exactement où va apparaître le boss. Mais moi, j'ai jamais appris les positionnements des cristaux, mais il y a des gens qui connaissent ça par cœur. Du coup, dès que les cristaux apparaissent, ils sont en mode « Ah bah oui, le boss, il va être là !» Évidemment. Mais si tu connais pas cette strat-là, ouais, tu perds beaucoup de temps avec les clones, ouais. Forcément. Allez, on va aller courir dans la neige. Donc là, le but, c'est de ramasser 6 fragments. 6 grands fragments de titanite. Et en même temps, de débloquer le feu pour les deux boss du DLC. On fera évidemment plus tard. Parce que pour l'instant, je suis un peu tout nu. Je vais quand même prendre le feu intermédiaire ici. Parce que Scream Skip, c'est quand même pas... C'est quand même pas 100% gratuit. Hein. Je vais quand même prendre ça. On sait jamais. Un peu de luge. Ok. Est-ce que je prends le feu ici? Ouais, allez. On va quand même jouer assez safe sur ce run. Je sais pas pourquoi je saute, j'ai pas besoin de sauter pour aller là. Bon là il va me falloir ça. On va s'habiller un peu aussi. Allez, viens là. Ah, oh, il est un peu loin. Là. Merde. Oh, c'est une très belle partie. Bon. Catastrophe pour l'instant. Allez.
Ah, t'es chiant, hein. Allez, qu'est-ce que tu fais? Mais il veut vraiment pas venir. Ok. Merde. Moi, j'ai du mal à l'orienter, hein. Allez, casse-toi la gueule. Voilà. Non, il est pas tombé. Oh! Attends. T'es sûr, tu veux pas y retourner, là? Tiens, vas-y, viens là. T'es bien ici, là. Ok, c'est bon. Bon, c'était un peu laborieux. C'était un petit peu laborieux, mais bon. Ah, j'ai pas goldé, du coup. Du coup, j'ai pas goldé ce split. Faudrait que je m'entraîne un petit peu à le faire tomber comme ça. Là, je vais prendre le feu intermédiaire aussi, parce que tout à l'heure, je suis mort sur les loups. Il n'est pas impossible que ça se reproduise. Qu'est-ce que... Ah, mais non, mais... Ah, mais c'est ma molette qui déconne. Je voulais pas me reposer. Faut vraiment que je fasse un truc avec cette molette, c'est pas possible. Je sais pas trop comment passer pour les loups là. Peut-être que je fais le tour par la droite. Ah ouais, ok, ça a l'air bien ça. Là je quitte ici, je pense. Ok, ça a l'air pas mal. Oh, il est long le chargement ici. Il est encore pas là. Normalement, il y a un ennemi avec une hache ici. Non, je suis en 1.12. Mais là, il est pas là. Je sais pas pourquoi. Allez. Ah oui, il faut que j'ouvre la porte maintenant. Pour éviter d'avoir à attendre plus tard. Hop. Et là, on va aller ouvrir la zone des mouches. Mais non, j'ai fait dernier feu. Oh, pourquoi j'ai fait dernier feu? Il fallait que j'aille à l'iche-feu. Bon. C'est la déformation professionnelle. J'ai tellement l'habitude de faire dernier feu ici. Je l'ai fait automatiquement. Mais je crois qu'on va pas trop faire Frid maintenant. Avec des lames en plus 3, je pense qu'on va peut-être éviter quand même. Ok, alors... Là, faut que je vende les âmes. Hop, 2 résines de feu. 6 paquets, c'est ça? Ouais. 2 résines d'arc, 3 os. Ok. C'est tout.
J'ai pas un fragment. Non. Et du coup, là, chapelle. Là. Direction les diacres. J'ai looté l'épée de Wilhelm, je vais la dégager, je pense. Sinon, ça me perturbe dans l'inventaire. Les petits gold, ouais, mais j'ai pas goldé Wilhelm. Dommage. J'ai eu un petit peu de mal à le faire tomber de la falaise là. Il y a eu des accidents. Salut Barfind. Ouais, du Ben Prunty, j'en ai pas mal dans ma playlist, je crois. Ouais, j'aime bien les règles en vrai, je trouve ça pas mal du tout. Ben alors. Il t'est arrivé une dinguerie là. Oh merde. C'est ça. Le menu, ah non mais le menu faut oublier hein. Le menu ça vient automatiquement, c'est que de la mémoire musculaire le menu. Au début tu vas faire n'importe quoi mais ça viendra tout seul avec le temps hein, vraiment. Le menu c'est vraiment le truc numéro 1 auquel il faut pas se préoccuper en speedrun hein. Parce que c'est vraiment que de la mémoire musculaire hein. Donc vraiment te prends pas la tête avec ça hein. Je vais me soigner quand même. Non mais vraiment. Oh là là. C'est pas possible. Oh là là, quel boss. J'étais censé aller à l'Ichefeu ou pas? Ouais, je crois. C'était une catastrophe. Il faut que j'aille où par contre maintenant? Je suis perdu. Je vois le nir là, mais attends, veilleur. Du coup c'est où là, c'est ça? Ouais. Je suis perdu.
Hashtag free menuing. Le menu pire boss avec le lézard de la gemme tranchante. Il te fait des misères, le lézard? Il est pas gentil avec toi? Moi j'aurais dû me dessaper là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il lève sa main et tout. Il te martyrise le lézard, c'est pas le seul. Ah merde. Oh, oh. Ok. J'ai un peu de dégâts. Ah oui, je crois qu'il faut faire ça pour l'attirer. Ok, ça n'a pas du tout fonctionné. C'était un échec. Hop. Non, je peux faire ça maintenant d'ailleurs. Ça va plus vite que comme ça que quand il le skip limite, mais. Non. Oh. J'ai activé une option, mais c'est pas grave. C'était un truc pour la manette, je crois. Va-t'en, laisse-moi tranquille. De grâce. Paquet pour Wolnir. D'ailleurs, Abyss il en utilise qu'un seul, mais. Je peux peut-être en utiliser deux, je sais pas. Faudra que je fasse des tests sur ce genre de boss. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais dû régénérer mon endurance, ouais, ok. Faudrait que je m'entraîne sur ce boss pour le faire de manière optique, parce qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Je sais pas si on a le temps de faire ça. Ah oui. Là, je prends le feu, hein, oui. Je prends le feu pour revenir sur Odeka plus tard. Et là, je crois qu'on continue. Ah, j'en suis où dans mes post-it là? Wolnir, paquet de feu, c'est fait. Croco, paquet de feu, ok. Bonsoir, c'est pas moi qui le dis. Salut, salut. Donc là, on avait dit tout à l'heure, il fallait que je fasse 3 et le 1 ici. Parce que j'ai pas assez de dégâts. Si je fais une R1 au milieu. Donc là. 1, 2, 3, ça suffit ou pas? Non, ça suffit pas, ok. Dans tous les cas, il faut une quatrième attaque, j'ai l'impression.
ça a pas l'air évitable. Après, peut-être qu'il y a une strat où... Peut-être tu lances une bombe incendiaire pendant qu'il est en train de rush. Je sais pas. Il y a peut-être moyen, hein. En vrai. À tester. Oh, j'aurais dû prendre le... J'aurais dû prendre le feu, parce que c'est pas du tout impossible que je meure ici. Irritil sans le skip, c'est assez violent. Ça sert les grosses strats, ouais. Et pourquoi pas, en vrai. Faudrait voir. Bon, du coup, prochaine étape, Yorm. Parce qu'on va faire Yorm avant Sullivan. Vu qu'on va level up avant Sullivan. Un petit Yorm, ça mange pas de pain. Pardon, j'ai un peu détruit le mobilier. Petite bombe sur le museau, ouais, je me demande. Je me demande. Allez, on prend le feu et direction Yorm. On peut sauter là. Ouais, tu peux sauter par-dessus la rambarde, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'il fallait pas que je me sépare du bâton, parce que j'ai besoin de le refaire ici. En fait, non, encore une fois, faut pas que je le déséquipe, parce que j'ai encore besoin de le faire tout à l'heure. Faut vraiment que je le garde en main, ce bâton. Je vais pas faire ladder skip sur ce run là. Parce que si je le rate, je perds un temps infini. Je le ferai pour le prochain run, je pense. Là, ça reste un run où j'ai envie de jouer safe. Tu vas rester sur le glitchless aujourd'hui, je pense que oui. Je pense bien, ouais. Ça va, au niveau du timing du spook, on est vraiment très large. C'est vraiment très très large. Normalement ici, il adore skip, mais pour l'instant, on joue safe. Je me demandais si je voulais me soigner, mais sur Yorm ça sert à rien. Là il y a un truc où tu fais spook avant l'échelle et du coup tu peux sauter avant. Mais j'ai jamais testé de faire ça. Hop, ok. Après Yorm, du coup, j'irai... Oh, je vais me soigner quand même pour jouer safe. Ouais.
Après Yorm, j'irai à Lichefeu pour level up. Ok. Moi, 1h30, c'est faisable. Bah, étant donné que le world record a 1h27, j'ai plutôt envie de te dire oui. C'est probablement faisable, ouais. Il y a des chances. Ah merde, j'aurais dû esquiver ça. Oula. À part moi, oui, ouais. Le world record, il est pas hyper bien optimisé. Donc ouais, c'est clairement améliorable. Oh oui, oh, j'ai eu un petit cancel d'endurance là. Ok. Alors, 42 dex, 17 vita aussi. Hein. Je pouvais même monter un peu plus. J'ai rien d'autre à faire, je crois, oui. Là, je pouvais même monter un niveau de plus. Intéressant. Mais pas très utile. J'aurais pu monter à 18 de vita. Ouais, si, pourquoi pas. Alors là, faut que je rééquipe les crânes. Hop. Je fais tous les boss, ouais. Sans exception. Même ceux des DLC. Maintenant, faut que j'équipe les paquets de feu aussi. Hop. Parce qu'on va utiliser un paquet sur Sullivan. Le menu pour faire pause, ouais. Oui, ok, j'ai réussi cette fois. J'ai réussi à le tuer avant. Il a pris cher, ouais. Il prend un peu plus cher qu'en All Bosses normal parce que j'ai 42 dex et je suis en plus 5. Aldrich, c'est pareil. Il va prendre un petit peu plus cher que d'habitude. D'ailleurs, Aldrich, résine de feu. Les contres comme ça. Les contres instantanées, tu veux dire, comme je fais. En fait, c'est pas très dur, il suffit juste de... Tu spams l'attaque au moment où... où tu fais la parade. Genre, t'appuies sur parade, et au moment où l'attaque te touche, juste tu spams l'attaque. Et ça fait une riposte rapide. C'est juste un coup à prendre, mais en vrai, c'est pas difficile à faire.
La parade, tu la loupes toujours. Ah ouais, ça c'est... C'est un autre problème, ça. C'est juste un timing à choper. Tu sens le 1 cycle sur Aldrich? Ouais, je pense quand même pas. T'y as passé des heures? Bah moi j'espère que je vais pas y passer des heures. Je vais pas te mentir. Je vais prendre le feu parce que bon, c'est quand même un run où j'ai envie de jouer safe. Et là, le dernier feu que j'ai pris, c'est celui du manoir lointain. Donc c'est un petit peu loin. Du coup, si je meurs, on va un peu être dans la sauce. Du coup, je vais prendre ce feu là. Ça, ça touche jamais. Si tu full sprint, l'attaque comme ça, elle touche jamais. Je sais pas pourquoi, mais... Après Aldrich, j'essaye de lire mon truc. Ouais, faut que je claque une âme avant le TP. Je pourrais l'équiper dans ma barre d'ailleurs. Y a même pas moyen d'en... Alors y a peut-être moyen d'en claquer deux. Ah. C'est rigolo ça. Hop, ça dégage. Résine... Pain d'humain. Pour Oceros. C'est lui, Ken Madara. Salut, salut, interlopeur. T'as raté le début? Ouais, j'ai commencé tôt le live aujourd'hui. Parce que j'étais chaud là pour faire du glitchless. J'étais motivé. Ici, est-ce que j'ai un truc à faire? Faut juste que je prenne l'éclat de titanite. Mais sinon, c'est comme d'habitude. Ah oui, par contre, il faut que j'équipe ça. Hop, ok. J'attends un peu parce que je crois que si tu descends direct, tu meurs quand même. Parce que c'est trop haut. C'est sympa un run, bah c'est... les règles ont l'air plutôt sympa, ouais ça me plaît bien j'avoue.
Bonjour Fudgecow. Ouais, j'ai envie d'essayer. Oh, j'ai oublié ça. Hop. On équipe les objets pendant le boss, pourquoi pas. Oh merde. Tu vas où là? Je suis là hein. Le boss qui m'a oublié apparemment. Non, non. C'est un peu plus la galère quand même, hein. En plus 5. Il est pas sur le leaderboard son temps, je crois. Parce que le leaderboard il date d'hier, il l'a pas encore dû le submit, je pense. Mais je crois pas qu'il y ait mieux, en tout cas j'ai pas trouvé mieux que son temps à lui. Ça se trouve, il y a une vidéo obscure sur YouTube de quelqu'un qui a fait bien mieux, mais je sais pas, j'ai pas trouvé. Ouais, il stream plus, ouais. C'est dommage, effectivement. Je l'ai vu très peu de fois en ligne, mais il avait l'air assez cool comme mec. Hein. Oui, c'est pas la même catégorie, Kekos. C'est parce que c'est une nouvelle catégorie, c'est pour ça. Bon, la résine est peut-être pas très utile ici. Parce que j'ai l'impression que je suis quand même obligé de faire 3 parades. En plus 5. Ah. Salut Raphaël, salut salut. C'était dur. Il va falloir que je m'entraîne à le faire en plus 5. Je vais prendre le raccourci aussi pour Dragon Slayer. Parce qu'il va être un petit peu plus dur que d'habitude. Même chose pour les princes aussi, je prendrai un raccourci. C'est des raccourcis qui sont assez rapides à prendre en plus, donc c'est pas très gênant.
Salut King, salut salut. Réveillé à 19h30 du matin. Pas mal ça. Que je fasse une roulade dans le vide, c'est peu recommandé. Ah, ça suffit pas. Non. Ah. Ok. Du coup, je vais prendre le feu et je débloquerai le raccourci. On va jouer safe. Pour les archives, faut vraiment que je trouve un moyen de pas me faire toucher dans l'escalier. Parce que c'est terrible. Le Wyvern Skip est autorisé, ouais. Heureusement. Ok. Tout se passe bien. Je vais prendre les potions maintenant. Allez. J'aurais pu en prendre une troisième. Je pensais que deux, ça suffirait. J'ai jamais testé le mode Cinder, non. Faudrait que j'y joue un jour. De DS3 en développement qui va rajouter des boss. Ah ouais? Ça serait plutôt stylé ça. Je sais qu'il y a déjà des modes qui modifient les boss et du coup les boss n'ont plus grand chose à voir. Mais je sais pas s'il y en a déjà qui rajoutent des boss. Ouais. Genre avec des nouveaux modèles et tout? Ce serait violent. Des boss à la Half-Life. Ah non, par pitié. De grâce. Ah. C'était pas très bien joué ça. Thank you.
J'ai probablement le temps d'en faire deux, des âmes. Ouais, le combat était pas mal du tout. Surtout la P2. Ouais. Ouais, ça demande un petit peu d'entraînement pour bien se positionner sur les princes, c'est pas très évident. Mais même moi je le fais pas parfaitement, il se téléporte encore un petit peu trop. Mais quand t'arrives à bien le faire, c'est vraiment très efficace. Je suis passé en glitchless, ouais. Après, j'abandonne pas l'autre catégorie, hein. Je continuerai à la faire de temps en temps, mais je pense que je ferai les deux du coup. Mais là, c'est une catégorie qui vient juste d'être ajoutée sur speedrun.com, donc j'ai envie d'essayer. Parce que les règles me plaisent bien. Merci, merci. Je fais le marais, ouais. C'est tout à fait ça. Il n'y a plus le mode early access, exactement. J'aurais le temps d'en faire une troisième si je l'avais équipé. En fait, il faudrait que j'équipe trois armes ici. J'ai clairement le temps d'en consommer trois. Ouais, je combats Wilhelm, faut le dire vite quoi. Disons qu'on se regarde dans les yeux, puis je le pousse dans le ravin quoi. C'est vraiment un très joli combat. Petit remake Roi Lion. Ouais. Tu utilises le coup de pied? Ouais, je connais pas la strat du coup de pied, moi. J'ai jamais vu ça. Thank you.
le petit plan sur la moustache. Ça ne change pas. Alors, j'ai beaucoup de choses à acheter. Donc, 11 os, 11 paquets, 11 résines. Aussi, il faut que j'en achète 6 et une tablette. Et je crois que j'ai rien oublié. Oula. J'ai cru que j'allais la rater. Je crois que j'ai pas d'os. Ah si. Non, ah merde, bah oui. J'ai l'habitude d'aller là, mais c'est pas là qu'il faut que j'aille. C'est pas du tout le bon endroit. J'ai déjà pris le feu. Hop. Donc là, cette fois, j'ai déjà ouvert la porte. J'aurais pas besoin d'attendre. Alors, le bâton. Ok, on est bon. Reverse Willem Skip. Ouais, c'est un peu l'idée. Dommage, j'y ai pas cru. Oh non! Ah, c'est tellement dommage! J'aurais pu l'enchaîner. J'ai fait un petit ding. Oh, j'ai pris les dégâts là. C'était pas terrible. C'est pas grave, on gold quand même. Je suis pas sûr que ce soit intéressant de lancer une bombe ici. Parce que c'est vraiment lent. Ah mais ça l'a fait venir quand même. Hein. Ça a l'air pas mal quand même. Hein. Ça c'est dommage. Ah, je pensais pas que j'étais dedans.
panache. Non. Ah. Ah. Sale bête. Ah, j'ai un peu galéré. Oh, j'ai goldé, mais tout juste, hein. J'ai fait quasiment le même temps. Ouais, c'était pas terrible. Il voulait survivre à un HP. Ouais. Ce boss, c'est ton Némésis Freed, ouais. Bah. Moi aussi, ça a été le cas très très longtemps. Maintenant, je me démerde un peu mieux. Bon, ça se voit pas trop sur ce combat-là, mais... mais pendant très longtemps, c'était un gros run killer pour moi, Freed. C'est vraiment un boss qui est très compliqué quand tu veux le faire rapidement. Parce que t'es obligé d'être vraiment toujours très très bien positionné pour pouvoir éviter ses attaques et riposter juste derrière. C'est pas évident. Mais qui se rend plus compte de ses perfs. Bah c'est normal, au fur et à mesure que tu t'améliores, ce que tu attends de toi-même, ça progresse aussi quoi. Bon, j'arrive pas à faire ma phrase, mais tu m'as compris quoi. J'ai eu du mal à l'exprimer, mais t'as compris l'idée quoi. Là je vais jouer safe, hein, vu l'avance que j'ai, on va tranquillement prendre le petit feu. C'est les boss de type bestial qui te posent un problème. Ah ouais. Toi t'as un malus sur les boss de type bête quoi. Oula. C'est pas terrible ce que je fais là. J'ai pas fait exprès de faire une roulade. Bon là du coup je sais pas trop comment évaluer la distance. Parce que d'habitude je me basais sur ma barre en fonction du moment où je m'en allais. Enfin, j'avais un setup, mais là j'en ai plus trop du coup. Ouf. Oh, c'est une catastrophe. Ça, c'est terrible. Oui, ok, bon. Au moins j'ai réussi à avoir ça, c'est déjà bien. Bon, j'ai gagné 1 minute 15 là-dessus. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure, je sais pas.
Là, faut que je me déshabille. Parce que j'ai pas besoin de me battre avant très longtemps. Il se déshabille en live. Bon là je vais encore pas faire le petit saut au-dessus de la barrière parce qu'il faudra que je m'entraîne un petit peu à le faire. Je me souviens plus du tout du setup donc si j'essaye je vais me faire massacrer. Allez, c'est parti, le marathon. Je peux passer par là parce que de toute façon, je dois me reposer au feu pour récupérer des résines, je crois. Donc c'est pas gênant si je prends des dégâts. Ah oui, je vais avoir besoin du bâton ici. Ici je peux m'habiller, j'ai pas besoin de faire de roulade. Les chevaliers enclavés. Ouais peut-être. Je vois même pas de quel ennemi tu parles. Mais ouais ouais ils sont classe ouais. Aucune idée. Faudrait que je me déshabille pour faire les roulades ici. Donc en fait je devrais m'habiller seulement maintenant. Résistance au feu. Si jamais je rate la roulade du dragon. C'est pas gentil ça messieurs. Non. Oh, vraiment. Ça, c'est dommage. Bon, eh ben... C'est reparti. Le marathon qui recommence. Allez, deuxième essai. La petite glissade, ouais. J'ai essayé de quitter, mais j'ai même pas réussi.
Cette fois, je m'habillerai après. Ceux avec le rond rouge sur le torse, ah ouais, ok, je vois. Je vois. Moi, je les appelle Tony Stark, forcément. Ouais, ceux-là, ouais. Cette fois, je vais essayer d'éviter de tomber dans le vide, ça pourrait être pas mal. J'ai pas besoin de mes âmes, hein, si? Non, je crois pas. Hein. Je crois pas, mais dans le doute, je les ai quand même récupérées. Oh non, c'est pas ça. C'est pas la bonne arme, ça. Ah oui, mais moi, je vais me reposer au feu. Est-ce que je me repose vraiment? Non, ça va être chiant si je me repose. Pas besoin de se reposer pour ça, de toute façon. Je sais plus comment on le fait, lui. Je me souviens que j'avais une strat, mais... Faudrait que je revoie ma vidéo en limited skip. Parce que j'avais une bonne strat pour le faire, celui-là. C'était pas ça du tout. Ah oui, mais non, c'est vrai que j'ai encore oublié de rajouter un split. Il faut que je rajoute un split pour celui-là. Ok, cette fois je suis pas tombé dans le trou. J'ai un peu mal joué là. Et il me manque deux attaques, je crois. Ok.
Bon, cette fois, c'était pas un gold. Vu que j'ai dû faire deux fois le marathon, j'ai perdu pas mal de temps. On sait où il y aura un gold pour la prochaine, ouais. Tout à fait. C'est vrai que c'était ma première mort. Donc c'est un run qui est plutôt pas trop mal finalement. Peut-être que tout va s'écrouler sur Half-Light. Oh, je te déteste. Ah oui, alors, est-ce que je vais avoir le même problème que tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, il me manquait des dégâts et je savais pas pourquoi. Et là, c'est pareil, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me manque des dégâts, hein? Je comprends pas ce qui se passe. Non, dommage. Non, ah, j'ai pas ciblé le bon. Je voulais cibler le boss, ça a ciblé le gardien de peinture. Ah oui, j'étais mort sur Half-Light tout à l'heure, c'est vrai ça. On va gagner pas mal de temps du coup. Alors du coup, tac, ensuite là c'est poison et après foudre. Mais il faudra que je regarde pourquoi il me manque des dégâts sur le gardien de peinture au début. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai l'impression que la seule différence avec l'autre catégorie, c'est que j'ai un de dextérité en plus. Mais comment avoir un en plus peut m'enlever des dégâts? Il doit y avoir autre chose auquel je pense pas. Mais là, j'avoue que je vois pas. Catastrophe. Ah, il restait qu'un seul coup. J'ai très mal joué là. Je vais quand même mettre la résine, mais je suis pas sûr que ce soit rentable.
Moi, je joue safe. J'ai fait le même temps, quasiment. Ah, je le rate, je sais plus le faire ce truc. Non, je fais pas de glitch normalement sur Half-Life. Oui, c'est vrai que j'étais mort sur Cinder. J'ai du temps à gagner là du coup. Oh bah, super. Oh non. Ah mais non, je me suis téléporté au mauvais feu. C'est quoi ce feu où j'ai été là? Ah oui, c'est parce que je suis pas censé le prendre celui-là, c'est pour ça. Je me suis bien fait avoir du coup. Bah ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai moins de dégâts. Il y a forcément une raison, mais... Je suis sur la même version du jeu, donc j'avoue que je sais pas trop. Ouais, je me... Non mais j'ai été voir les démons là. C'est bon. Ça on peut dégager. Oula, je suis parti loin. Salut Oronyanya. Salut, salut. Ouais, sans la mort, j'avais effectivement moins de 1h30. Ouais. On fera ça tout à l'heure, je pense.
Je peux équiper ça aussi. Ah non. Comment ça se fait? Je sais pas. Allez, le petit Odeka. Coucou, je t'avais pas oublié, promis. Et voilà. Encore un petit gold pour la fin. Hop, 1.31-34. Bon, bah ce run-là était pas trop mal en vrai, hein. Il y a juste la mort dans le DLC 2 qui est un peu dommage. Mais du coup je vais aller pisser et puis je pense qu'on enchaîne direct, hein, pour encore un autre petit PB.